1, 2. Salut à tous. J'arrive pas à avancer. Ah, c'est bon. Alors, si je suis tout petit, c'est normal. Coucou, toi. Alors, on est dans Bibliocraft. En fait, je fais une petite. C'est ma petite zone de confort. En fait, c'est Bibliocraft. En fait, on est tranquille. Bon, attendez, il faut juste que je modifie un truc. C'est un peu chiant. Contrôle. Z, c'est où? Ouais, tu me mets dedans. Non, c'est pas ça. Avancer, oui, Z, voilà. Oui, voilà, là au pire, tu mets W, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Hop. Ah, c'est mieux. Ah, oui, c'est mieux. Bon, après, pour l'autre, c'est pareil, mais bon, on va en faire pareil. Hop, option. Et ça dépend selon le jeu que vous jouez. Aller à droite, c'est bon. Aller à droite. Aller à gauche. C'est où qu'il y a un cul qui casse la voix aux enfants. C'est bon. Oh, c'est bon. Voilà. Du coup, donc qu'est-ce qui se passe avec quoi? Avec ça, bah, c'est en fait. Que tout simplement je suis un wouhou comme lui, comme mon frère wouhouteux. Bonjour à tous. Comme vous voyez, j'ai mis FPS là pour le LOL avec Optifine. Ça permet d'avoir de 30 FPS, c'est vraiment pas mal. Bonjour, toi. Bonjour. On est tout petit quand même. Je peux reprendre ma taille normale aussi. Et j'ai cassé un truc, je sais même pas c'est quoi que j'ai cassé d'ailleurs. Je ne sais pas, ça restera un mystère. Et merde. C'est pas grave, on va remettre une table. Ce serait pas le canapé. Non, le canapé est là. Voilà. On met deux canapés. On se casse pas le cul, hein. Donc comme vous voyez un peu ce qu'il y a. Donc voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est très très joli. Voilà. Voilà, voilà, tout ça c'est beau, c'est génial, on est tous heureux, oh là là, c'est magnifique. Cet homme est le plus fort du monde. Voilà, hop, on fait ça aussi, en y passant. Hop, c'est un de mes dessins pour ceux qui ne savent pas. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, oups. De retour de moche. Pourquoi c'est si moche? Ah, c'est un bug, c'est apparemment. Voilà. Donc là, vous avez mon wouhou. C'est mieux, je préfère. C'est pour ça que je me disais que c'était bizarre. C'est pas les bons. En fait, voilà, quand je remets mon pack de texture, tout redevient correct. Donc là, vous avez un espèce de pouf vivant. Et voilà. J'ai peut-être même d'autres. Oh, oups. Vérifier. Non, on s'en fout de ça. Non. 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 Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Attention, espèce de pouf. Et ça, c'est mon menu. Bon, je vais rien d'autre en fait. Enfin voilà, vous avez mon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjà retirer les FPS. Quand je vais sortir, si je vois que c'est assez fluide, c'est bon, on pourra les retirer. Il n'y aura pas besoin de les laisser parce que ce sera suffisant. Donc, bien sûr, c'est du survival. Hein, ouais, non, je laisse quand même. Ça aide à savoir un peu. C'est du survival, hein, c'est pas du truc de la mort qui tue. Voilà, j'ai fait ma petite maison tranquille. On va mettre le time mob. On va voir si j'ai un lit chez moi. Ce serait bien que j'ai un lit. Oui. Oh, ça fonctionne. Magnifique. Hop. Voilà, c'est mieux quand il fait jour en fait. Un espèce de pouf vivant. Alors, voilà. Donc voilà, ce qu'on a ici, voilà, c'est le jeu du monde. Et du coup, comme vous avez compris, quand je tue quelque chose, ben, je peux me transformer en ce quelque chose. Donc par exemple, on va prendre cet animal.
On va le tuer. Oui, c'est du game mode, hein, c'est pas du aventure machin. C'est vraiment. En fait, cette série ici, ce qu'on va faire, donc c'est une série que je vais faire à mon aise, vraiment tranquille. J'ai fait une connerie, les gens, j'ai appuyé là, il fallait pas. Ça va ouvrir Chrome, ça va faire cramer mon PC. Non, j'ai fait une saloperie de connerie. Non, non, je ne veux pas aller sur Chrome. Non, c'est bon. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a déjà. C'est déjà pas mal déjà. Vous voyez, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de bazar à mettre. Il y a même des cuvettes, c'est trop cool. Trop cool. Et alors, il y a tout ça, tout ça. Il y a tellement de choses, je vous dis pas. C'est beau, c'est émouvant à la fois. Voilà, il y a trop de choses en fait. Je m'en sors pas. C'est très bien de pas s'en sortir. Enfin, dans ce jeu, parce que ça veut dire qu'il y a trop de choses et c'est trop cool. Voilà, c'est trop cool. Alors, voilà. Et du coup, là, évitez d'appuyer quand vous avez un PC de merde, parce que sinon, ça va vous diriger là où vous voulez pas aller. Non, je vous voulais pas. Donc, voilà, vous voyez un peu ce qu'il y a. Je vous ai tout montré. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est. Oui, je vais prendre une épée. C'est ce que je me disais aussi. Je vais faire un truc, mais je ne sais plus quoi. Et on va tout simplement trucider un. Déjà, on va désactiver un truc. Option. Performance. FPS atténué. Bon. C'est pas ça que je veux. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je laisse FPS atténué. On s'en fout. Ça dérange pas. Ça a l'air de pas vraiment jouer sur les performances. Comme vous voyez, le monde est magnifiquement beau. C'est une petite île sympathique. Et ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à récupérer des mobs. Vous voyez, voilà. Enfin, je récupère tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré son corps. Je récupère celui-là. Voilà, j'ai récupéré son corps. J'absorbe l'âme des gens. Voilà, hop, je tue, j'absorbe, je suis un démon. Hashtag démon MDR. Non, c'est faux. Donc voilà, hop, un cochon, ben, on le trucide pour récupérer son âme. Meurs, espèce de petit cochon, donne-moi ton âme. Maintenant, allez, meurs. Ah, tu dois mourir. Si, 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 si. Mais laisse-toi mourir. Voilà. Voilà. Donc oui, j'ai dû tuer un Wougou tout mignonneté pour l'avoir. C'est ça qui fait chier. Par contre, je vais éviter de trop m'éloigner parce que après, je vais pas retrouver mon point de spawn. Donc on va peut-être pas trop s'éloigner donc quand même. Hein. Comme vous voyez, ça va, c'est fluide. Bon, c'est du 480p aussi, mais bon, voilà, ça, c'est regardable quand même. C'est juste qu'il faut éviter d'être trop près de l'écran. Hein. Je vous signale de ne jamais être trop. Et en vrai, ici j'ai perdu ma maison. C'est génial. C'est trop cool. Bon, après, il y a une technique pour la retrouver. Hein. Slash. Oui, c'est débile. Voilà. Donc, on retrouve ma maison par technique de triche. Et du coup, bah, je vais tout simplement me retransformer en truc compressé. C'est beaucoup mieux. On est trop cool. Alors, hop. Espèce de pouf. En cassant bien sûr la maison. C'est génial. C'est ce qu'on veut. C'est tout casser quand on doit se transformer. Ouïouïou, ça fait mal. C'est pour ça. Du coup, on a rétréci, mais on est un homme comblé ou une femme comblée parce que nous sommes en espèce de pouf vivant. Voilà. C'est magnifique, c'est un espèce de wouhou, tout wouteux, nous adorons ça et on va tabasser des mères. Ouais! J'ai dit n'importe quoi, je sais. Alors, donc voilà, du coup, à ce moment-là, vous la pétez, hein, vous faites hop, voilà, vous vous promenez en espèce de pouf vivant et vous vous amusez à vous rabattre, à vous battre contre des monstres. Ce qui n'a pas de sens parce que vous êtes un espèce de pouf surpuissant. Comme ça, vous dites, je suis Dieu, meurs, je suis Dieu, le Dieu des wouhous, mourez,
Et du coup, vous cherchez après tout simplement des mobs et vous en trouvez pas et vous vous faites chier. Voilà, c'est le bon tuto du moment. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? En fait, j'essaie de trouver pas mal de mobs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire. Et en fait, je m'amuse à carrément construire comme ça. Vous voyez, par exemple, si je construis un truc, bah, je reste en wouhou. Et je m'amuse à. C'est jouissif parce que je suis une espèce de peluche vivant. Et c'est trop bien. C'est trop cool. Alors, voilà. Hop. C'est trop bien. C'est trop cool. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Donc, pour ceux qui savent pas, les modes, oups, les modes en question, c'est ça. Non, c'est pas ça. Option mode, voilà. Vous avez tous les mobs ici. Donc, on a tout simplement. Non, ça, on s'en fout. Codet pack, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Forge ladder, oui, ça, on s'en fout aussi. Arrête de me casser les couilles. Donc, voilà. On a Bibliocraft. On a Monsieur Craft. Fourniture. On a, bien sûr, hashtag Biloulette et Louvinette et Larcisse. Tout ça, on vous aime. Voilà. Notre cher mode créature. Voilà, Unshirt. Donc ces deux-là sont complémentaires, c'est pour pouvoir se transformer justement en mob. Et World Edit, bien sûr, parce qu'on est une grosse salope et qu'on aime tricher. Voilà. Bon, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez, vous? J'avais pas slash slash Womb, passe-moi un joli truc miniature comme ceci, quoi. Bah oui, c'est trop cool. Donc du coup, je fais ça. Et du coup, je vais, je sais pas moi, je fais n'importe quoi là par exemple, hop. Et du coup, je fais slash slash, je sais pas moi, set wood. Et du coup, ça fait, ça fait rien parce que apparemment, je sais pas écrire slash slash set wood. Comme ça? Ah! Je me disais aussi que je savais écrire quand même. Voilà. Et du coup, ça sert à rien. Mais voilà. Je sais utiliser Word Edit. Voilà. C'était l'excuse du monde. Alors. Bien sûr, quand vous voulez pas tout casser, vous faites recul. Voilà. Bon, je connais très bien Word Edit. Merci moi-même. Je sais comment fonctionne Word Edit. Merci moi-même. Le truc, c'est qu'il faut savoir écrire tout en anglais, et c'est ça qui est un peu compliqué, ou mettre par numérotage les blocs. Du coup, c'est un peu chiant si vous avez un, vous savez pas tout retenir. Donc à ce moment-là, bah, ce qui est conseillé, c'est de foutre le jeu en anglais. Ce que j'ai pas fait, oui, je suis un imbécile. Voilà. Mais sinon, ben voilà, hein, vous foutez le jeu en anglais et vous pouvez faire du Word Edit correct. Oui, parce que si ça en français, ça ne fonctionnera pas correctement. Parce que si vous marquez Tulipe Orange, ben, ça marchera pas. Par contre, si vous marquez le nom de la Tulipe Orange en anglais, ben, ça marchera. Je sais même pas si de base ça fonctionne en fait avec la Tulipe. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est des créatures. J'aimerais bien. Ceux qui aiment bien les animaux, ne regardez pas parce que je vais tuer des animaux. Oui, c'est horrible. Mais je peux pas faire autrement pour pouvoir me transformer en eux. Parce que j'adore me transformer en animal. J'adore. C'est trop fun. C'est trop cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher après les œufs que je ne trouve pas parce que je suis une grosse brêle. Ça doit être ici. Oui. Donc je voudrais Enderman, non je m'en fous, Champignon Kumama, Cheval, Gardien, Ghast, Oslo, oui je voudrais un œuf d'Oslo, Perroquet on s'en fout, Cochon, Ours, Lapin on s'en fout, Bouton on s'en fout, Shulker, on peut vérifier mais ça sert peut-être un peu à rien d'être un Shulker, mais bon, Squelette, j'allais dire Ventilateur, Vex, je sais pas qu'est-ce que ça va donner sincèrement. Vagabond, poulpe, araignée, slime, squelette, zombie, cochon, zombie, bird. Ah, il est où, raton laveur? Donnez-moi mon raton laveur. On cherche après un raton laveur. Léopard, non, lion, tigre, le môle. Raton laveur. Raton laveur. Donnez-moi mon raton laveur. Hein. Il y a des rats aussi. Ah oui. Bah oui. Parce que c'est bien.
Bon, vous savez quoi? Le truc me provoque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encaler grave. On va marquer une main de raton. Raton. Et bien sûr, c'est en anglais, donc il faut mettre rat. Rat. Voilà. Yes. Et voilà. Donc ne regardez pas, ça va faire mal au cœur. Pas ma faute, c'est comme ça que le jeu. J'aurais bien voulu le faire autrement, mais bon, on sait pas. Hein. Oh, reviens ici, toi. Voilà, j'ai récupéré du coup son corps. Je peux du coup me transformer en Oslo. Ça, c'est bien. Ça, c'est correct. C'est cool. Je suis un joli Oslo. Comme vous voyez, il n'y a pas de bug. Hein, c'est bien un Oslo. Alors, hop, voilà. Donc, du coup, on va continuer à trucider des animaux pour rien. Non, je déconne. Je sais pas si le jeu va planter par contre si je fais ça parce que je m'en souviens pas qu'on puisse faire ça, sincèrement. J'y crois pas trop, sincèrement. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a la 7 pour ce truc-là? Apparemment, oui. Bah, bizarre. Bon, mais c'est transformant sur que. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, oui, d'accord. Je suis une boîte volante! Ouais! Je suis une boîte volante! Je suis une boîte volante! Ou un coffre. Et je me suis encore paumé en même temps, mais c'est pas grave, on se suicidera comme d'habitude. Tiens, là-bas, il y a un coffre. De toute façon, je me suiciderai après. D'accord, bon, moi je suis une boîte, ben, joyeux Noël, hein, voilà. Je suis né. Vous voulez jouer à cache-cache, voilà, vous vous foutez en boîte, vous vous mettez comme ça. Ça va pas être facile, vous dites coucou! Paf! 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 Parce que je présume qu'on peut taper, hein. Non, mais pas. On va. Ah! On peut pas taper! On peut rien faire! Ah, si, 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 on peut taper, on peut creuser. Une boîte qui creuse, voilà, c'est magnifique. Ah, on peut pas tomber. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Donc voilà, je suis une boîte en aventure. La boîte maudite. Tadam, tadam. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est celui-là. Meurs, meurs. Allez, viens ici. Oh oui. On s'est recalé. Ah, je suis trop mignon. Ah, je suis Big Boss. Ah, toi tu vas peut-être mourir. Oh non, mais c'est un cheval. Arrête de bouger. Je vais te tuer. Oui, c'est ça, reste là. Voilà, c'est ça. C'est le mec qui dit. Oh oui, recale-moi, beau gosse. N'importe quoi. Bon, donc qu'est-ce qui se passe ici? On va aller voir là-bas. Ça me fait trop rire en fait le mot encaler. Encaler une porte, encaler. En fait, c'est ça en fait. Hein, c'est encaler un mur, enfin, une commode contre un mur, mais. Disons qu'on peut peut-être modifier ça dans un autre sens, enfin je me comprends. Du coup, c'est trop marrant, c'est dans Je parle France en fait que j'ai entendu ça. Et du coup, c'est trop rigolo de dire ça et c'est trop marrant. Ça me fait trop rire. Alors, tout, Shocker, donc Wolf, Vex. On n'a pas fait Vex. Oh, c'est tout petit. Bah du coup, Vex, pas là. Sérieux mec ça? The fuck? Ça va tuer de le tuer celui-là. Oh non, il traverse cette texture! Oh le tricheur! Ici. Arrête de bouger! Oh putain de merde, ça va être le pire à tuer celui-là.
Un loup qui se bat contre un... Oh, bordel de merde. Oh putain! C'est compliqué celui-là à tuer. Hein. Oh là là. Il est tout petit! D'accord. Bah oui, bien sûr, nous on peut pas par contre traverser, hein. Ce serait trop simple. T'es bizarre quand même, toi. Un ogre, ok. Ah oui, on avait le shurker, le vex et le raccoon. Bien sûr, raccoon, ça me fait mal au cœur de tuer parce que je l'adore celui-là. D'accord. Oula. Ah merde, je suis peut-être un monstre, du coup il a peur. Ah merde. Attends, on va se transformer en truc plus mignon. Je sais pas moi. Un animal plus chou peut-être. Voilà. Il est où? What the fuck, mais ils sont passés où? Waouh, ça va être difficile quand même de les avoir, ces cocobicos là, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Hé, là, viens ici. Bah, mon dieu. C'était pas convoi, c'était pas facile, hein. C'était plus dur, ou pas? Alors voilà, vous voyez au fur et à mesure la pudothèque, machin, ça s'élargit. Voilà, petit raccoon trop choupi. Mais bon, on est obligé en fait de garder comme il est choupi celui-là. Oh, il est tout petit. Regardez-moi ça. Attendez, hop. Voilà, il est tout petit. Attendez, on va déjà me faire slide. Time Z Day. Hop, voilà, c'est mieux. Regarde comme le tout mignon! Mais c'est un méchant! Non, je suis con. Alors. Oui, je galère. Non, c'est pas celle-là qu'on veut. Voilà, c'est celle-là. Sinon, c'est pas drôle parce qu'on voit rien. Donc, voilà, du coup, ici qu'on va, on va essayer de retrouver. Bah, vous avez compris le principe. En fait, on peut se retrouver en tous les mobs disponibles à 1.12 parce qu'on est sur 1.12.2 ici si je me trompe pas. C'est fun quoi, c'est trop bien, c'est trop, c'est le plaisir total. Et je vais faire comme ça des petits épisodes où on se promène, on fait n'importe quoi. Mais c'est vraiment du n'importe quoi on va faire, hein. Il n'y a pas de vraiment d'objectif. Comme ici la première chose c'est de se transformer en tout et rien, donc en animal, ce qui ne sert à rien. Comme vous voyez, je me suis encore perdu, c'est que je sais pas où est ma maison, et ça me casse les pieds. Donc, il y a une technique aussi pour plus perdre son inventaire, c'est slash... Game rule. Keep... inventory. Voilà, du coup, si je fais slash kill, je meurs, mais en fait, je reviens normalement avec mes objets. Ah non, bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est rien. Voilà, du coup, je suis un petit raton laveur tout mignonneté, tout choupi. C'est trop fun quoi, et je peux me transformer en tous les animaux que je veux. Alors, il y a une technique parce que, comme vous voyez, si à chaque fois que je me change, je dois appuyer donc je casse un truc. La technique c'est de prendre une épée. Là, c'est pas très grave, je sais remettre au pire, mais c'est au pire si vous en avez marre de toujours casser des choses quand vous vous transformez. Vous cognez une épée dans le truc et du coup, vous allez rien casser. C'est une technique à moi, comme ça. Hein? Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre une épée. Hop, donc on prend une épée. Oui, en diamant, bien sûr, c'est plus drôle. Voilà. Donc avec l'épée ça fait ça. Donc je vais re-regarder au sol. Donc normalement je devrais casser quelque chose. Et ce qui va se passer c'est quand je vais changer de truc. Hop. Regarde, vous voyez, il n'y a rien qui s'est cassé. Pourquoi? Parce que... What? Pourquoi? Parce que... Ben voilà. Et du coup je suis en cheval avec des bugs de glitch. C'est magnifique. Donc voilà.
magnifique, regardez les bugs de glitch quoi. Oula. Donc voilà. Donc du coup là on va revenir en loup, en renard, et comme vous voyez je casse rien du tout grâce à l'épée. Et là l'épée on la voit pas, donc ça fait aussi en plus un truc de défense. Ça peut être n'importe quelle épée, hein. Ça peut être une épée en bois, en fer, en pierre, en diamant, peu importe, n'importe quelle. Mais en tout cas c'est une épée. Et du coup vous faites une épée n'importe laquelle comme j'ai dit, et ça permet d'éviter de casser, ça ne casse rien parce qu'en fait avec l'épée vous voyez, quand vous tapez ça fait ça, vous voyez, c'est ultra lent. Ça casse rien du tout, vous voyez. Et là, je suis en train de créer des particules. Mais si je retire l'épée, ça fait ça, hein, vous voyez. Ah, mais oui, là, du coup, je suis en train de tout péter. Vous voyez, quand je vous dis que c'est utile d'avoir une épée dans ce mode-là, pour éviter de tout péter quand vous changez d'apparence. Par contre, si vous êtes avec un autre joueur ou un animal, je sais pas, que vous aimez bien et que vous êtes devant lui et que vous visez vers lui quand vous changez de place... Faites gaffe de pas le tuer parce que là vous allez donner un coup, hein, c'est logique puisque c'est le principe d'avoir une épée, c'est que vous allez donner un coup dans le vide, vous pouvez pas y échapper. Donc quand vous vous changez, même pour une personne, c'est au cas où vous avez activé le PVP, pensez à vous mettre dans un endroit ou contre un mur, je sais pas, comme ça, et hop, changer d'apparence à ce moment-là pour éviter justement que le coup aille plutôt d'aller dans la personne ou le joueur, donc le joueur qui est avec vous si vous avez activé le PVP. Donc l'ami ou l'ami qui est avec vous, ou autre, peu importe, hein, un abonné ou je sais pas quoi, ben ça vous permet d'éviter de frapper, qui se dit pourquoi tu m'as frappé, et tu vas me dire ah, ben excuse-moi, à chaque fois je change d'apparence, j'ai pris une épée et tout ça, et du coup je suis obligé d'appuyer sur le clic droit et ça donne un coup. C'est pas voulu, et va dire ouais c'est mal fait. Mais après je sais pas si on peut faire autrement, attendez. Alors déjà, comme vous voyez, il y a plusieurs sortes, mais je sais pas comment y accéder. Mais... Je vais voir un truc. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vous dis déjà. Ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, il suffit d'appuyer sur Hunter. Donc, voilà. En fait, en fin de compte, tout ce que j'ai dit ne sert à rien. Puisque vous suffit d'appuyer sur Entrée pour changer d'apparence. Je ne le savais pas. Moi à chaque fois j'appuyais avec le clic droit par automatisme, vous voyez, en se disant ah il faut cliquer là, et j'avais pas pensé à faire ça, donc tout ce que j'ai dit ne sert à rien. Donc voilà, vous savez qu'il suffit d'appuyer sur Hunter, parce que regardez maintenant si je me mets comme ça, et là vous voyez j'ai pas de truc, et que je prends une apparence, vous voyez je ne casse rien du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement j'appuie sur Hunter tout simplement. Et du coup, il n'y a plus de soucis en fait. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez. Et du coup, là, du coup, il n'y a plus de soucis. Vous pouvez être devant la personne, vous ne blesserez personne. Je me disais aussi, c'était un peu bizarre quand même qu'on ne puisse pas faire ça correctement. Je trouvais ça bizarre. Donc, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenter avant de partir, mais je vous préviens, ça va ramer à mort. Juste pour le lol, avant de terminer. Je sais pas combien la vidéo durera, mais c'est pas grave, je m'en fous. Même si elle dure 40 minutes, je m'en fous. Voilà, ce qui va, moins de 50, peu importe. Moi, je me fais plaisir en faisant ces vidéos-là et c'est tout ce qui compte. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre les shaders. On va remettre les FPS et on va rire un coup. Parce que comme vous savez tous, j'ai un mauvais PC. J'ai un PC très pourri. Donc, ce serait drôle de voir justement. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ici, vous voyez... On affiche les FPS. Donc pour le moment je suis à 28 FPS. Habituellement sans filmer je suis à entre 50 et 60 FPS sans trop de soucis. Mais ici comme je filme du coup ça pompe de la performance. Donc du coup maintenant juste pour le lol on va remettre les shaders que j'avais mis et que j'avais retiré par la suite. C'est les shaders sur capi pour voir qu'est-ce que ça va donner si on les met. Donc c'est ceux-là si je me trompe pas. On va rire, on va rire. Ça va ramer à mon avis, on va tomber à 15, 5 FPS, un truc comme ça. On va rire, on va rire. On va rigoler. Oh, qu'est-ce que c'est que vous. Ouais, c'est ce que j'ai dit, 15 FPS. Yeah, trop bien, on a 15 FPS.
Bon, après, je vous rassure, déjà, une chose qui est bien, c'est que, certes, ici, je suis à 15 FPS parce que je filme, mais moi, ça me plaît déjà, hein. Même si on est à 15 FPS, je peux quand même mettre les shaders. Alors, il y a des retours de bugs là, je sais pas qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Chaque fois qu'on change de texture, il y a des bugs comme ça, bon, on laisse tomber, c'est des bugs bizarres. Donc, à chaque fois que je change de. Je veux dire, si j'arrête de filmer, je tombe entre 20 et 25 FPS, ce qui est pas mal, qui est largement suffisant pour moi, sincèrement, je suis pas difficile. Quand je mets des shaders, c'est pour avoir un truc beau en plus. Donc, comme vous voyez, le jeu est du coup. Beauté, de toute beauté. Il est magnifique le jeu, il est vraiment très beau. Mais voilà, c'est normal, les shaders, ça rend toujours un jeu super beau, magnifico, tout ça, quoi. On connaît les shaders, on sait comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est les shaders quand on les met. Et comme vous voyez, je tombe à 13 FPS, donc c'est pas ouf. Mais sincèrement, quand on adore les shaders et qu'on est fan des shaders, bah ça suffit, quoi. On peut quand même jouer. C'est jouable, hein, mais c'est pas ouf. Mais quand vous faites de la construction, de toute façon, techniquement, vous ne faites pas grand-chose. Donc, être à 20 FPS pour de la construction, ça va, c'est pas très dérangeant. Certes, c'est toujours 1000 fois mieux que d'avoir. Je veux dire, c'est 1000 fois mieux d'avoir 30-60 FPS constant, ça c'est clair, je suis d'accord. Mais voilà, ici, c'est juste pour les vidéos, c'est plus fun. Je veux dire que ça me permet de faire des vidéos avec des shaders, pourquoi pas quoi. Avant, j'aurais pas pu faire ça, hein, je vous dis direct. C'est parce que j'ai modifié la résolution d'enregistrement. C'est pour ça que c'est du 480p 30 fps. Vous vous trompez pas, ça n'ira pas du 720, c'est normal. À moins que je peux trafiquer et faire croire que c'est du 720, ce que je peux tenter, mais ce sera du fake, hein, je vous préviens déjà. Mais on peut faire croire à certaines personnes que c'est du 720 alors que ce n'en est pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était Mister Gourou et j'espère que ça vous a plu. On va se quitter sur un joli coucher de soleil. Comme vous voyez, un magnifique coucher de soleil, c'est incroyable. Nous allons nous quitter sur ça. Donc pour ça, il faut faire ça. Et après, il faut faire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, pas dans l'eau. Voilà. Oh, le magnifique coucher de soleil. Je vous dis à bientôt et à une prochaine fois, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai pas un bon PC, c'est pas ouf. Mais voilà, je fais comme je peux. Je m'amuse comme je peux. Un jour ou l'autre, j'aurai peut-être, dans des années, j'aurai peut-être un. Je vais acheter un AverMedia. J'ai revendu ici et j'en avais un, mais j'ai dû revendre pour des raisons quelconques. Quelconque. Du coup, je rachèterai même AverMedia qui coûte dans les 80. C'est le Lite, là, AverMedia Lite, hein, à 80 € là, sur Amazon. Vous savez, avec le bouton qui est assisté, enfin voilà, qui fait du maximum 1080, 30 FPS et au plus bas 720, 60 FPS. Donc, du coup, je filmerai en 720, 60 FPS sans problème. Et du coup, on aura une qualité déjà mieux. Et on pourra, du coup, bonne nouvelle. Sur certains endroits, on pourra carrément se mettre en mode truc quoi, en mode comment on appelle ça? En mode ça, je sais plus comment on appelle ça. En mode shaders, voilà. On sera entre 20 et 25 FPS, mais pour une vidéo, sincèrement, ça gêne pas trop. C'est vraiment parce que techniquement, je ne bouge pas trop, donc ça va, ça ira, ce sera pas impossible. Si c'était du 10 15 FPS encore. Mais il y a encore, ça peut encore aller. Si vous voyez ici, on est à 15 FPS. Hein. Ça gêne pas trop, ça va. C'est pas très grave. Parce que c'est Minecraft. Donc, du coup, ça va. C'est pas la mort. Ça va, ça passe. Parce que Minecraft est bien fait pour l'illusion et tout ça. Et comme vous voyez en arrière-plan, ça va. Les étoiles, quand ils bougent, ça va. L'impression est correcte. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Mister Gourou. Bye bye.